choose myself. I'm Luc Paguet, and I'm about to show you the tiny part of tomorrow. So prepare yourselves to the future. With the technology, I can be any kind of superhero, Iron Man, Superman, Son Goku. Let me show you. Not bad though. But today, no one is impressed by that kind of tricks. We can see it every day. What if I say that those tricks could be as real as you and I? Yeah, it's crazy, but that's what Kajira Agency tried to do, and it's worth it. Do you like this PR behind me? Me? I do. And with your application, it could be with me anywhere, anytime. So now, I let my teammates present for an exceptional project, Nostrum. Don't forget, Nostrum increased your reality. Merci Luc pour cette rapide présentation de notre projet. Comme il l'a dit dans sa vidéo, nous sommes l'agence Kaetera. Nous sommes devant vous 5 personnes, car Luc, qui est un de nos développeurs, est actuellement au Canada. Je vous présente donc Thomas, qui est notre chef développeur, Flavien, qui est également un de nos développeurs, Tiffany, notre graphiste, Iliana, notre chargée de communication, et moi-même, qui suis la chef de projet de l'agence Kaetera. Au cours de ces 3 semestres, nous avons tous ensemble travaillé sur la conception et la réalisation d'un projet axé autour de la problématique suivante. Dans quelle mesure la réalité augmentée nous a-t-elle permis de faire découvrir l'art d'une nouvelle manière? Nous allons donc vous présenter maintenant plus en détail Nostra, en parlant tout d'abord un peu de graphisme. Ensuite, nous vous ferons une démonstration de ce projet. Puis nous verrons les aspects techniques et enfin la stratégie de communication. Je vais maintenant laisser Iliana faire un rapide pitch de ce projet. Donc, notre projet Nostra est un service qui se destine aux artistes 3D localisés en Ile-de-France, mais aussi aux férus d'art et de technologie. Ce service est un service de dépôt et de collecte d'œuvres 3D. Et par œuvre 3D, nous entendons toute réalisation faite sur un ordinateur et composée de polygones. On va maintenant vous passer une petite vidéo qui vous montre pour un peu plus de précision ce qu'est notre projet. À Kaetera qui signifie ce qui nous manquait. À l'envers, Nostra devient Art Zone, ce qui illustre donc notre volonté de faire du monde une zone d'expression pour les artistes 3D. Le logo a été créé de manière à illustrer le côté technologique et créatif de notre projet. Il illustre la dématérialisation qui est donc en rapport avec la réalité augmentée. À présent, on va commencer à vous parler plus concrètement de Nostra. Donc, pour réaliser Nostra, il a fallu mettre en place 2 services. Donc, l'un sur ordinateur, avec notamment une page web, mynostra.app, et ensuite une application sur mobile. Donc, sur la page web, on peut retrouver la gestion de compte, mais surtout le plus important et l'essentiel de cette page, c'est surtout la mise en ligne des œuvres par les artistes. Ils pourront également retrouver une FAQ qui leur sera utile pour notamment savoir leurs droits ou comment mettre les œuvres en ligne s'ils rencontrent certaines difficultés. Il y a également un système de notification qui a été mis en place, donc qui les avertit sur l'actualité de leurs œuvres, si elles ont été bien placées ou de notifications directement liées au compte. Il y aura également un support technique pour notifier toute erreur qu'un utilisateur peut apercevoir. Sur l'application de Nostra, il y aura également la gestion de compte.
Mais le principal, surtout le visionnage des œuvres qui ont été posées par des artistes. Il y aura également une carte qui permet de visualiser où sont placées les œuvres à proximité de notre géolocalisation. Également la galerie d'œuvres et le support technique. On va à présent passer à une démonstration. Donc Iliana va prendre le rôle d'une artiste. Là, actuellement, elle est connectée sur un compte. Il va tout d'abord falloir qu'elle passe son compte en tant que compte artiste. Une fois qu'elle aura bien pris connaissance des conditions, il faudra qu'elle valide. Et là, elle va avoir une page où elle pourra directement décider d'ajouter une œuvre. Donc il y a tout d'abord un texte explicatif. Après, il y a sa zone où elle peut choisir de déposer deux fichiers. Donc un point .obj qui sera l'œuvre en 3D. Et également un MTL qui est le fichier matériaux rattaché à ce point .obj. La limitation c'est de 64 MO. On recommande cependant en dessous de 32 MO afin que ce ne soit pas trop long au chargement sur l'application. Après, elle peut décrire son œuvre, donc lui donner un nom, faire une description rapide et surtout mentionner les personnes qui ont réalisé cette œuvre. Il y a également une case qu'on peut cocher si l'artiste estime que son œuvre peut heurter la sensibilité de certains utilisateurs. En dessous, à la fin de la page, elle va avoir une carte qui se place en fonction de sa géolocalisation actuelle, dans laquelle elle va pouvoir voir les lieux où elle pourra exposer. Donc sur la gauche, elle a un aperçu du lieu. Et à droite, quand elle clique sur exposer, c'est là où elle aura exposé son œuvre. Et après, il suffit qu'elle valide. Et là, elle va avoir un récapitulatif des informations qu'elle aura rentrées précédemment. Et là, elle va arriver sur l'étape 2, donc elle a de nouveau un récapitulatif. Et là, elle va pouvoir choisir la taille qu'elle décide de mettre pour son œuvre. Donc il y a entre standard, grand et gigantesque. Donc là, il y a marqué que l'œuvre est prêt approuvée. Donc c'est uniquement pour les besoins de la soutenance, pour qu'on puisse à présent la voir directement sur l'application. Mais de base, ça sera tous les mois certaines œuvres qui seront choisies d'être placées. Donc du coup, on va pouvoir passer sur l'application où Thomas va vous présenter comment celle-ci fonctionne. Merci Flavien. Donc passons à présent sur l'application que vous pouvez voir sur votre droite. Donc comme vous voyez sur l'application, une fois que nous arrivons sur l'application, nous sommes sur un écran qui s'appelle « Autour de vous ». Sur cet écran, nous avons l'ensemble des œuvres qui se trouvent autour de notre position. Bien sûr, nous avons sur cet écran présentement, car nous sommes connectés préalablement pour éviter de perdre trop de temps, mais bien sûr, il y a un système de connexion et d'inscription qui sont liés donc, avec les bases de données du site internet, ce qui vous permet d'avoir un compte lié. Donc ici, je me suis connecté avec un compte différent du compte de Iliana, qui est un compte plutôt utilisateur. On va pouvoir observer justement les œuvres mises en ligne. Donc vous avez tout d'abord tout à gauche un onglet Explorer où vous avez une carte avec les différents lieux d'exposition à proximité, ce qui vous permet de voir quelles œuvres se trouvaient près de votre position. Un onglet Communauté où vous retrouvez les différents artistes, les collections d'œuvres d'art ou encore les actualités liées à l'application comme les annonces de dernière version ou bien les dernières œuvres de vos artistes préférés. Et donc nous revenons à la page principale qui est donc autour de vous. Ici, nous pouvons voir l'œuvre que vient de poster Iliana, donc par le compte Agence Caetera, l'œuvre qui se prénomme E. Et donc, on remarque la différence entre une œuvre qui est à proximité et une œuvre que l'on peut collecter. Ici, on voit que l'œuvre Brachio est une œuvre qui est à proximité, mais qu'on ne peut pas collecter. Elle est à 320 mètres, ce qui est plus que la distance tolérée. Donc, on ne peut pas cliquer dessus. Si je clique dessus, rien ne se passe, car il faut se rapprocher de cette œuvre pour la collecter. Contrairement à l'œuvre E, qui indique voir, c'est-à-dire que je peux cliquer sur cette œuvre, ce qui va m'ouvrir donc la réalité augmentée pour visualiser cette œuvre. Alors bien sûr, le chargement est un peu long, car notre réalité augmentée utilise la détection de sol, contrairement aux réalités augmentées qui utilisent des marqueurs, donc la technologie est un peu plus avancée. Donc ici, le téléphone me demande de rechercher une surface plane, il vient d'en détecter une devant juste ici, et il me demande de toucher l'écran pour collecter l'œuvre, car en effet, nous avons décidé d'avoir une interaction avec l'utilisateur pour pas que l'œuvre soit collectée automatiquement, vraiment que l'utilisateur ait une action pour collecter cette œuvre. Je touche donc, et l'œuvre qu'a uploadé Iliana apparaît devant moi. Donc l'œuvre, bien sûr, il n'y a aucun marqueur, l'œuvre se place par rapport à la détection du sol, et donc je peux tout à fait tourner autour de cette œuvre, l'observer sous toutes les coutures, pour prendre la pleine mesure voilà, de cet objet 3D qui a été publié. Ensuite, une fois l'objet collecté, on voit que le message en dessous a changé.
Il me dit que l'œuvre a été collectée et que je peux cliquer pour voir les détails de l'œuvre. Donc les détails de l'œuvre, cela concerne donc la description, le nom de l'œuvre ou encore les crédits associés. Je clique, la réalité augmentée se désactive et donc on voit la page détail de l'œuvre qui s'affiche à présent donc avec le nom de l'œuvre renseigné, la date de publication de cette œuvre et la description, les crédits complets, qui ont été renseignés aussi tout à l'heure par Eliana. On m'invite ensuite à voir mon musée. Et sur cette page, je vais pouvoir voir donc les œuvres que j'ai pu collecter. Donc ici, voilà, on voit que j'ai collecté cette œuvre et elle apparaît dans mon musée. Enfin, nous avons l'onglet My Nostra, tout à droite, qui renvoie vers le site internet Nostra, qui vous permet une gestion poussée de votre compte, notamment avec les fonctionnalités, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, de support technique, de gestion du compte, modification d'avatar, ou encore les liens sociaux. Nous allons parler maintenant des aspects techniques, si vous voulez bien. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter ce schéma assez simple qui illustre bien la communication entre les différentes entités que sont le site web Nostra Web App, et l'application smartphone Nostra App. Donc, nous avons d'un côté le site web qui est à l'adresse my.nostra.app, qui est un site web notamment de gestion de données utilisateurs. C'est ici où l'utilisateur va pouvoir gérer ses données, changer son mot de passe, changer ses informations de compte, son avatar, et où les artistes vont bien sûr aussi pouvoir devenir artistes et uploader des œuvres. Également, on retrouve sur ce site tout l'aspect espace administration qui est également disponible et qui permet la modération des œuvres et des tickets support. Donc en changeant l'état des œuvres, par exemple, de l'état de pré-approuvé à l'état décliné ou d'autres, en laissant des petits messages pour les artistes afin de les informer via les notifications. De l'autre côté, nous avons l'application Nostra Android qui, elle, est davantage axée, comme vous venez de voir, sur la visualisation de ces œuvres-ci. Et donc ces deux plateformes communiquent grâce à ce petit nuage, qui est donc le serveur de base de données et de traitement, où l'on retrouve nos bases de données SQL et également nos scripts, nos différents scripts PHP qui permettent justement de communiquer avec ces bases de données. À présent, j'aimerais vous parler de quelques valeurs de l'agence KTR. En effet, nos produits, nous souhaitons que ce soit des environnements sécurisés. En effet, nos scripts PHP et nos codes sont très sécurisés de par plusieurs conditions, de par plusieurs vérifications des données envoyées, ce qui permet d'éviter toute tentative de piratage ou autre problème de ce type. Également, nos services communiquent via le protocole HTTPS, c'est-à-dire que vos données, quand elles sont envoyées, sont cryptées, ce qui garantit effectivement également la sécurité de celles-ci. Nous mettons aussi un point d'honneur sur le respect des droits d'auteur. Bien sûr, quand chaque œuvre est publiée, nous vérifions qu'elle respecte bien les droits d'auteur et qu'il ne s'agit pas d'une œuvre volée ou d'une œuvre qui appartient à quelqu'un d'autre. Aussi, via le support technique, un artiste ou un membre peut très bien signaler une œuvre qu'il a vue sur l'application qui, pour lui, ne respecte pas les droits d'auteur en envoyant un ticket de violation des droits d'auteur. Il suffira alors de remplir quelques cases, dont des liens prouvant qu'il s'agit d'une violation des droits d'auteur, et nous pourrons agir assez rapidement en retirant cette œuvre si besoin. Et en prenant des dispositions également sur l'utilisateur en lui envoyant un avertissement ou bien un bannissement. Enfin, votre vie privée est très importante pour nous. En effet, nous collectons les données uniquement dont nous avons besoin, notamment les géolocalisations. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'application, lorsque nous la démarrons, elle affiche les œuvres qui sont autour de vous. Eh bien, ces données de géolocalisation sont bien sûr envoyées au serveur pour vérifier dans la base de données, mais elles ne sont pas stockées, elles sont juste envoyées. Et nous ne récupérons pas ces données car elles nous servent juste à, justement, comme je le disais, à communiquer avec cette base de données. Nous n'avons aucune utilité de les garder. Encore une fois, vos informations telles que votre mot de passe, votre adresse email ou d'autres informations sensibles sont bien sûr enregistrées dans une base de données. Le mot de passe est notamment haché, ce qui permet une sécurité accrue. Et notamment, les bases de données sont sécurisées par notre hébergeur, ce qui implique aussi que vos vies privées est bien respectée. Je vais passer maintenant la parole à Eliana qui va parler de la stratégie de communication. Donc, tout du long de la conception de notre projet, nous sommes efforcés de le promouvoir pour déjà toucher nos cibles, mais aussi réunir une petite communauté d'utilisateurs et donc du contenu pour prévoir la sortie de notre application. Pour cela, on a commencé par analyser nos cibles qui, après résultat, ont à 100% ont toutes l'usage de Facebook, Twitter et de Instagram. C'est pour ça que nous avons créé des réseaux sociaux sur ces trois médias. Nous avons créé un compte Facebook nommé Agence Calitera, nous avons créé un compte Twitter @agencecalitera et un compte Instagram agence-calitera
pour la simple et bonne raison que nous sommes une petite agence avec un seul projet et c'est pour ça qu'on s'est concentré sur la promotion de celui-ci. Nous avons également mené des opérations de communication physique, notamment en distribuant des flyers, mais aussi en faisant de l'affichage sur des panneaux d'affichage libre, en distribuant des dépliants dans des maisons culturelles ou dans des musées, et en allant directement discuter avec des artistes concernés qui pourraient être intéressés par le projet et qui ont accepté de partager leurs œuvres. Je vais ensuite passer la parole à Manon. Vous savez dès à présent ce que nous avons fait. Maintenant, je vais vous parler de ce que nous prévoyons de faire. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne l'ergonomie du site web, nous souhaitons faire en sorte que l'utilisateur puisse changer de thème, passer d'un thème sombre à un thème clair. Également, il y aura un système d'interaction entre les utilisateurs qui leur permettront d'aimer une œuvre d'art en 3D en cliquant sur un bouton. Et enfin, bien sûr, l'application sera disponible sur Google Play. Nous pouvons donc en conclure que l'espace urbain faisant partie de notre quotidien, nous désirons, grâce à Nostra, valoriser cet espace urbain en faisant en sorte qu'il ne soit plus simplement qu'un espace de passage ou de vie pour certains d'entre nous, mais également un lieu d'exposition, accessible à tous et toutes, et également accessible à tout moment. Nous pouvons donc affirmer que grâce à Nostra, ce n'est plus le spectateur qui va au musée, mais le musée qui vient à lui. Cela est possible grâce notamment à la réalité augmentée que nous utilisons et qui apporte une toute nouvelle expérience à l'utilisateur dans sa manière de découvrir l'art. Nous vous remercions de votre écoute et nous tenons également à remercier toute l'équipe enseignante de nous avoir suivis tout au long de ces 3 semestres. Et surtout, n'oubliez pas, avec Nostra, faites de notre réalité votre galerie. Bonjour à tous, bravo pour votre présentation qui était très claire et très réussie. Je trouve en fait que votre petite case pour que l'artiste dise s'il pense que son œuvre peut choquer, etc., c'est très malin. Je vous ferai juste une remarque pour le dossier, faites attention au vocabulaire que vous utilisez pour les artistes, etc. Toujours inapproprié, c'est toujours très compliqué, c'est très dangereux. Et les artistes sont des gens très susceptibles, qui peuvent être très pointilleux. Et si un mot ne leur plaît pas, vous avez une personne qui se braque. Parce que voilà, c'est un milieu qui est assez particulier, le monde de l'art. Mais vous avez dû vous en rendre compte en échangeant avec eux. Voilà. Donc voilà, après sinon je trouve que votre projet est très bon, félicitations à vous là-dessus. Et je dirais plus pour la fin, c'est pas forcément que le musée vient à la personne, c'est que plutôt la personne qui traverse le musée, puisque c'est au détour d'une promenade et donc quelque chose de normal qu'on va traverser au fur et à mesure, toujours ce côté-là. Voilà, en tout cas merci beaucoup et félicitations pour le travail que vous avez accompli. Très bien, votre soutenance était claire. Par rapport, donc juste sur la partie, c'était clair, c'était bien mené, tout le monde a parlé, c'était très bien. Thomas, qu'est-ce que. Donc là, je vois quand même qu'il y a pas mal d'améliorations par rapport à ce que vous nous avez présenté jeudi. Enfin, on s'en fait déjà pas mal jeudi. Est-ce que vous pouvez, donc on voit bien l'objet en 3D, allez-y, expliquez-moi. Parce qu'on n'avait pas pu faire l'affichage jeudi dernier en fait, on ne pouvait pas afficher l'objet, alors bon, il y a eu des soucis extérieurs. Comment vous avez contourné le problème? Ouais, voilà, là, ça paraît un peu bien. D'accord. Oui. Parce que ça donne quand même, c'est un peu plus sympa comme ça que ce qu'on a vu jeudi. Jeudi, on a vu un cube qu'on translucide. Non, c'est très bien. Non, c'est bien. Ouais, je pense que vous avez fait le. Ça, vous avez fait d'autres choses ou pas ou... Dans l'application, comme on voit, j'ai trouvé par exemple.
Ouais, ça c'est fait. Enfin, c'est bien. Ouais. Moi aussi j'étais très convaincue par votre présentation. Bon, je l'avais déjà été quand j'avais vu votre dossier de presse à la fin du semestre. Voilà, je trouve qu'il y a une vraie problématique autour du projet, avec un peu l'esthétisation du quotidien, sortir un peu de la routine métro, du beau dodo, avec le musée qui vient à vous. Voilà. Donc je n'ai rien de particulier à dire, juste que j'ai trouvé votre présentation très fluide et votre projet tout à fait convaincant. On ne parle pas d'autre chose, je vous rassure. L'application sera disponible, donc elle le sera effectivement. Alors, je vais peut-être faire plusieurs questions, puis comme ça je vous passe le micro, sinon on ne vous entend pas. Donc elle sera... La question après ça sera quelles œuvres seront disponibles, si c'est bien le cas. Et j'avais cru voir évoqué par vous un événement, l'organisation d'un événement. C'est pas très clair dans le dossier s'il va vraiment être organisé ou pas. Donc c'est sur ces points que j'aimerais que vous répondiez. Concernant la disponibilité de l'application sur Google Play, comme on l'évoquait, comme je le disais tout à l'heure, nous avons des standards de sécurité et de vie privée assez importants. Et pour l'instant, l'application Unity fonctionne, mais ne convient pas à ces standards. Je trouve qu'il y a encore trop de failles possibles. Donc je préfère vraiment finaliser cette application avant de pouvoir la soumettre à Google Play. Voilà. Après, pour les autres questions, je... Donc, pour les œuvres qu'on compte afficher, on a déjà pris contact avec pas mal d'artistes, que ce soit via LinkedIn ou à travers des écoles ou avec déjà des professionnels qui travaillent dans la 3D. Notamment, on a pris contact avec quelqu'un qui travaille chez Unity et qui fait les graphismes du jeu. Et cette personne est très intéressée par le projet et elle avait plus des questions sur l'aspect technique. Et elle a dit qu'elle serait très heureuse qu'on revienne vers elle pour en parler à ses collègues dès que celui-ci serait finalisé. Et on a eu beaucoup de réponses de genre, et par contre, on a réussi à collecter pas mal d'œuvres de la part d'étudiants et de quelques professionnels, bah, toujours via LinkedIn, qui sont très supportifs de notre démarche. Pas supportifs, support... Ouais, pardon. Encourageant. Oui, très encourageant. Ma faute. Ensuite, par rapport à l'événement, on voulait faire un événement une fois que l'application serait terminée. Là, c'est loin d'être le cas, donc pour le moment, c'est pas trop possible. Mais si Thomas trouve le moment de débloquer certains bugs, on compte toujours réunir les artistes pour les inviter à voir ce que ça donne et vraiment voir leur réalisation. Merci. Il y avait toujours cette question du mélange des œuvres qu'on avait posée en décembre, le fait de mélanger des œuvres, le cas échéant, d'amateurs et des œuvres d'artistes reconnus. Je ne sais pas si ça a été résolu. Si vous avez fait un choix à cet égard, pareil, je pose deux questions comme ça je vous passe. Ce que j'ai compris, c'est sur un lieu donné que vous aviez repéré, il y avait une seule œuvre à la fois qui pouvait être affichée. Ce qui veut dire que s'il y a plusieurs artistes qui choisissent le même lieu, il y a une succession, c'est ça que j'ai compris, une succession chronologique. Donc j'aimerais savoir si c'est bien ça, comment ça se passe, quelle est la rotation, pourquoi avoir fait ce choix et pas mettre trois œuvres à côté. Après tout, ça se fait dans des espaces d'exposition. Donc c'est sur ces deux points que j'aimerais quelques précisions supplémentaires. Donc pour répondre à la dernière question avant, on a choisi d'abord de faire ce choix parce que des œuvres peuvent se parasiter l'une l'autre. Donc si on place par exemple quelque chose qui... L'artiste a pensé l'œuvre pour son contexte en se disant « je le veux à tel endroit », c'est plus compliqué si à côté on lui place une œuvre qui vient complètement casser le ton qu'il aurait voulu. Et pour la question d'avant... Oui, le déroulement, pardon, des... On a prévu de faire une sélection mensuelle des œuvres. Donc, cette sélection serait faite par une équipe d'experts, comme on l'a dit dans le dossier. Et si on a choisi de le faire comme ça, c'est pour toujours cette question de succession. Mais on ne s'est pas encore décidé si ce serait une succession chronologique ou si... C'est que chaque lieu en fait, dans la base de données a aussi un champ qui lui est réservé, qui indique le temps que ce dont le temps que le lieu peut être occupé. C'est-à-dire, par exemple, on dit bah, tel lieu, et c'est maximum une semaine, donc l'artiste va pouvoir exposer qu'une semaine. Et ensuite, ça sera un autre artiste exposé à la place. Donc ça revient un peu à cette problématique, cette question. Merci.
Merci. J'apprécie la réflexion que vous avez, indépendamment de la qualité du projet. Enfin, je pourrais vous faire des reproches, et je veux Madame Dast aussi, parce que là, on touche à nos domaines, qui sont des domaines de recherche. Et donc, on a des questions plus poussées pour vos problématiques, peut-être que pour d'autres. Donc, votre problématique est bien. Je soulignerai simplement que dans le dossier, vous répondez à une autre question, qui est le fait de rendre l'art moins chronophage. La question que vous avez à l'heure actuelle est plus intéressante. Il aurait été bien à ce moment-là d'actualiser la veille, puisque ça pose des questions. Justement, il y a toute une réflexion actuelle sur la façon d'amener le musée, de changer le rapport au musée. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être amenées. Et là, vous avez un décalage par rapport à la problématique à laquelle vous aboutissez, qui est plus fine, plus pertinente, et la veille que vous aviez faite l'an dernier. Et là, vous n'avez pas accordé les deux. Mais petit reproche, au sens où on sent dans tout votre travail une réflexion sur des questions qui demandent de la subtilité d'esprit, de la finesse. Et petit à petit, vous la développez, cette finesse, alors que vous n'êtes quand même pas bien vieux. Et c'est tout à fait appréciable. Donc j'apprécie de voir à la fois le résultat et la façon dont vous le menez. C'est-à-dire pas à courte vue. J'ai vu beaucoup de projets sur l'art. Vous, ça vous amène à une réflexion... Oui, qui est fine, qui prend peu à peu de la profondeur. C'est très satisfaisant de vous voir avec vos esprits en construction. Donc je vous remercie. Hello. Thank you very much for your presentation. I have one question. I'm not sure I understood the system of the 3D art. So you use geolocation. The art piece is already on a given spot, or the user can put it anywhere. How does it work? What's the first? As we can see on the submission form, we have a part where the artist can choose the place where he wants to expose, to exhibit. Okay. So he uploads his 3D object, and then it shows the place. So the object don't really belong to the place, but the artist chooses. So technically, can the art piece be of any size, and can it be, for example, on a skyscraper or in the sky? Let's imagine it's a zeppelin. Could it be in the sky, or does it have to, you know, to start on the floor? And does it have given size, for example? We have not limited size for the art piece, but mm-hmm. on the step two, you choose the size. You have a small, medium, and big. And in the app, we develop a technology that put the art piece in a cube that is one by one. So all art pieces are the same size. They are compartments. They always appear first in a cube. No. The cube is there, but it's transparent. Okay. That's just for the coding stuff. Merci également pour cette présentation. Alors, elle est bien, j'ai trouvé un tout petit peu classique. Finalement, en décembre, on vous demande d'être assez classique, assez scolaire. Et pour la science publique, on vous demande d'être un peu plus... le show, donc enfin, c'est pas facile, mais j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus original. Vous parliez, les œuvres peuvent être en état pré-approuvé, puis approuvé, c'est bien cela. Et je vais finir ma question parce que. En fait, j'aimerais bien que tu nous montres un petit peu comment ça marche côté administrateur, comment on peut approuver. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va se connecter avec un compte administrateur sur mynostra.a. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'ai également accompli depuis la séquence technique, où j'ai pu finaliser justement toute la partie aussi administration. Donc nous allons nous déconnecter de ce compte, et nous connecter sur le compte administrateur.
Donc là, comme vous voyez, il y a le menu espace administration qui est apparu. Et donc j'ai le choix donc, d'administration des requêtes, comme je vous avais montré, et également modération des œuvres. Et donc j'ai ici toutes les œuvres avec leurs états. Et donc sélectionnons par exemple l'œuvre qui a été mise en ligne tout à l'heure. Donc là, par défaut, c'est l'état pré-approuvé, c'est-à-dire c'est un état que j'ai créé qui permet en fait de voir quand même l'œuvre dans l'application, même si elle n'a pas été vraiment approuvée. Mais cet état est voué à disparaître. À la place, on aura l'état donc, en attente, qui correspondra à l'état donc, classique où la commission doit encore donner son avis dessus. Et donc sur la page de modération d'une œuvre, donc on a l'état en haut. Donc ensuite, on a tous les champs remplis par l'utilisateur, le lieu. Effectivement, en piste d'amélioration, on pourra ajouter après une carte ou une photo qui illustre également le lieu pour avoir un meilleur aperçu. Et donc après, la partie administration, donc à propos du membre, pour savoir un peu qui est ce membre. Et ici, donc modifier l'état. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir choisir en fait l'état de cette œuvre et le modifier directement. Donc pré-approuver, décliner, exposer ou supprimer. Et donc l'utilisateur reçoit une notification quand ceci est changé, comme pour le support. Alors non, supprimer, c'est comme pour la plupart des sites, ça change juste en fait le statut de l'œuvre, ce qui fait que quand, dans les requêtes après, elle est plus récupérée, mais elle est toujours dans la base de données. Mais les utilisateurs peuvent bien sûr demander via le support d'avoir une suppression complète de leurs données utilisateurs, comme la RGPD l'oblige. À ce sujet-là, je vais vous lire le commentaire de Monsieur Briquet, donc l'enseignant de droit. Le concept aurait dû être développé, il me semble, à l'introduction, et j'ai trouvé que la transition entre propriété intellectuelle et données personnelles aurait dû être plus travaillée, mais dans l'ensemble, le sujet est bien maîtrisé, tant en termes de forme que de fond, notamment avec l'INPI. En outre, les références au RGPD sont bien maîtrisées. Voilà, j'ai bien apprécié votre travail. Alors, moi, je pose aussi en mon nom une dernière question, c'est dans le musée virtuel, tout apparaît, on voit des cubes correspondant aux différentes œuvres. Après, il faut qu'on peut cliquer dessus, avoir les détails, l'aperçu. Il n'y aurait pas moyen d'avoir autre chose que ces cubes, d'avoir déjà une prévisualisation d'une image statique qui correspond à l'œuvre ou... Parce que la première vue qu'on a de notre musée, finalement, c'est un ensemble de cubes. Alors effectivement, oui, ça reprend un peu le concept de autour de vous. Donc autour de vous, effectivement, c'est un choix d'avoir des cubes pour ne pas montrer l'œuvre, sachant qu'elle doit être collectée, donc qu'il y a une démarche de l'utilisateur d'aller découvrir. Et par contre, effectivement, dans mon musée, c'est l'une des améliorations prévues d'avoir justement cette image de l'œuvre dans son environnement à la place de ce cube, effectivement. Parce que là, ça ne justifie pas qu'il y ait un cube, je suis d'accord. Alors, encore une fois, bravo. J'avais l'occasion de vous le dire déjà la semaine dernière au cours de la soutenance technique. C'est un très beau projet, c'est un projet réussi qui vous est allé jusqu'au bout. Il manque juste des petits détails et puis des évolutions envisageables, parce qu'on peut envisager mille choses encore par rapport à ce projet vraiment intéressant. Il y a un point que je n'ai pas tellement compris que soulevait Mme Rialan. Vous avez restreint à une seule œuvre à la fois. Et vous justifiez ça par un choix personnel ou est-ce que c'était une contrainte technique ? C'est un choix par rapport à l'artiste. C'est un choix par rapport à l'artiste, tout simplement parce que les artistes ont différents styles. Les modélisations peuvent être très différentes de l'une à l'autre, et si on ne restreignait pas, il y a quelqu'un qui pourrait poster, par exemple, moi j'ai soumis un dinosaure. Et si on met un dinosaure à côté d'un être humain, ça n'a pas le même sens que si le dinosaure était tout seul dans le lieu ou si l'être humain était tout seul dans le lieu. Dans le musée virtuel, dans le salon. Ah oui. Oui, ça c'est totalement possible. Mais c'est vraiment sur la liste de lieux d'exposition. La taille de l'œuvre est modifiée par l'artiste, ça vous l'avez ajouté par rapport à la semaine dernière, si j'ai bien compris. La modification de la taille de l'œuvre. Hein, en fait, j'ai mis ma question. Est-ce que si finalement, moi artiste, je décide que finalement je préférais qu'elle soit plus petite, je modifie ce statut, est-ce que c'est pris en compte dans la visualisation des carrières ? Alors effectivement, pour ça, le souci, si je puis dire, qu'on a eu, c'est qu'on importe en fait les modèles 3D pendant que Unity tourne en runtime, comme on dit en anglais. Et donc pour ça on a un plugin spécifique, et sachant que quand on importe en fait un objet 3D de cette façon là, sa taille est complètement aléatoire, c'est à dire que si l'artiste l'a fait très grand, ça peut apparaître très grand, donc il fallait en fait normaliser tout cela.
Et donc pour cela, en fait, j'ai utilisé une technique qui a, comme je disais à Madame Lepage en anglais tout à l'heure, un petit cube de 1 mètre sur 1 mètre en 3D, mais avec des shaders transparents, donc on ne le voit pas. Et le code, en fait, va chercher à prendre l'objet 3D qui a été importé et à le faire rentrer, en fait, dans les limites, dans le bound du cube, de façon, en fait, à uniformiser cette taille. Et ensuite, comme on a vu tout à l'heure, on peut choisir parmi trois tailles. Donc il y a petit, grand et moyen. Et en fait, dans ce cas-là, ça va être la taille du cube qui va être modifiée, sachant que l'objet importé est l'enfant de ce cube, ça va modifier aussi la taille de cet objet. Donc en fait, effectivement, la taille est normalisée, mais si l'artiste modifie son fichier 3D, ça ne va rien changer par rapport à la visualisation. Très bien. Un dernier point qui est un peu mineur, mais qui concerne la charte sonore. Alors effectivement, vous dites que dans votre application, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de son, peut-être que vous avez mis des clics avec des sons, mais bon, c'est du détail, peut-être, je ne sais pas. Par contre, dans votre vidéo de présentation de projet, il y a bien de la musique. Là, vous n'en parlez pas dans votre charte sonore. Les musiques et sons qu'on a dans les vidéos, ça a été géré par Luc au Canada, qui a utilisé des sons libres de droit. Et ce son, c'est également c'est des animations qu'on... sons de fond qu'on retrouve sur les autres vidéos qu'on a également pu publier sur les réseaux sociaux. Donc ça fait toujours une cohérence et c'est vraiment, on va pas dire un in caetera, mais bon. C'est surtout aussi que la vidéo qu'on en a vue, la deuxième, donc pas celle de Luc, elle a été finalisée après que le dossier de réalisation soit fini. Enfin, elle a été finie après. Donc la musique, c'est ce que je fais en dernier dans le montage. Du coup, forcément, elle n'est pas censée dedans. Mais sinon, de base, oui, c'est la vidéo, il y a de la musique. Mais sinon, voilà, ne retournons pas ça. C'est un très bon projet, c'est un projet réussi, donc je vous félicite encore une fois. Oui, j'aime beaucoup le projet, ça fonctionne bien. Quelques petites questions. On a parlé pendant l'année de l'agrément que donne le volume, la perspective, les plans, la lumière, les ombres. Et donc là, nous avons une réalité virtuelle en 3D, d'une part, et une réalité vidéo filmée. Et la connexion entre les deux se fait au niveau du sol, et il n'y a pas d'ombre. Donc ce personnage en 3D, il ne se connecte pas bien. Alors, première question, c'est, serait-il possible, peut-être que c'est impossible, mais avez-vous appréhendé cette amélioration de créer une ombre? Et l'autre question que je me pose, c'est, là, vous maîtrisez l'environnement dans lequel s'affiche l'œuvre. Si c'est dans une place où il y a des gens qui passent, que se passe-t-il si une personne traverse la modélisation? Est-ce qu'elle passe au travers? Est-ce qu'elle le fait bugger? Je ne sais pas ce qui... Ça m'intéresse de savoir, parce que ça pourrait créer plein de jeux ou plein de... La connaissance du phénomène d'interaction peut générer des choses amusantes ou surprenantes ou... Alors, donc, concernant l'ombre des œuvres, effectivement, c'est un point dont j'ai effectué plusieurs recherches au semestre 3 quand je recherchais plusieurs choses justement sur le développement. Et il faut savoir que la technologie n'est pas assez avancée pour ce genre de choses. Il y a certains smartphones qui ont des capteurs qui permettent de savoir d'où vient la lumière, qui peuvent après être récupérés au niveau des données, mais c'est quand même quelque chose de très complexe et de très peu mis en place. Mais effectivement, c'est dans le futur de la réalité augmentée, de plus en plus ça se met en place, parce que ça permet une connexion, comme vous dites. Juste un mot gris. Oui, mais après, comment vous géreriez la différence des tailles, par exemple, si c'est un cube, si c'est un cylindre? Voilà, c'est effectivement, on pourrait peut-être essayer de trouver quelque chose, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très compliqué techniquement, l'ombre. Et ensuite, concernant les interactions, oui, tout à fait. C'est quelque chose, encore une fois, que cette technologie-là, en tout cas, je pense qu'il y a peut-être des moyens en ajoutant peut-être des... Alors là, oui, qu'on teste, mais en fait, le plan reste détecté, mais il ne se passe rien. C'est-à-dire, soit la personne passe vraiment devant l'appareil, et donc on ne verra plus l'œuvre, soit elle passe derrière, et l'œuvre, en fait, la couvre. Il n'y a pas vraiment d'interaction. Voilà. Jean-Marie m'a volé ma question. Je voulais vous demander s'il n'existe pas un petit shader pour faire... Voilà. Une petite ombre, enfin, et la question se pose aussi par ailleurs pour des œuvres qui seraient un peu grandes, de l'intégration dans leur environnement, puisque l'environnement a une importance du coup. Comment est-ce que vous faites porter une ombre de bâtiment? Voilà, c'est plus compliqué évidemment, mais
ça a son importance, et c'est vrai qu'en 3D, ça fait partie des choses difficiles. Enfin, c'est casse-pied. Ouais. Sinon, c'est super projet. Moi, je suis très fan d'art et de 3D, donc forcément, je suis très impressionné par ce que vous avez fait. Je trouve que l'idée est vraiment géniale, à pousser beaucoup, enfin, poussable beaucoup plus loin, avec notamment la notion non plus d'objet, mais de scène. On parle d'une scène 3D, donc voilà, y a de la réalité en 360 degrés, beaucoup de plus en plus, là, sur Arte, un peu partout. Voilà, vous avez un champ immense devant vous, là, si vous voulez continuer individuellement ou en groupe. Voilà, bravo, super boulot. Bravo. Merci à vous.